بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساهرون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يُطِهِ اللَّهَ ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وخير هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم والشرار مهم محدثاتها وكل محدثة بدعة On va reprendre l'explication du livre sur l'invocation dans le chapitre qu'on a commencé au cours dernier. A savoir... Les leçons à tirer du retard de l'exaucement, de l'invocation. On en avait énuméré 4, je les rappelle, pour information. La première chose, c'est apprendre à faire preuve de patience dans l'épreuve et donc dans le retard, dans l'éventuel exaucement. Reconnaître la royauté exclusive d'Allah. D'accord C'est lui qui répartit les bienfaits comme il veut. Il a la roububiya. Également, les créatures n'ont pas de droit sur le créateur. On n'a rien à exiger à Allah. Mais il a tout à exiger de nous. Quatrièmement, apprécier la sagesse infinie d'Allah. C'est-à-dire qu'il peut hein, y avoir euh, des aspects qu'on juge comme positifs, alors qu'en vérité, la chose serait négative et inversement. Cinquièmement, c'est se préserver du mal inhérent à la chose demandée. En effet, il est possible que la réalisation des vœux de l'invocateur l'amène à accomplir des péchés freine sa progression spirituelle ou pire encore le transforme en être oppresseur et orgueilleux et une arme, qui sait qui sait qu'en obtenant telle ou telle ou telle ou telle chose que la personne va juger forcément comme bonne puisqu'elle le demande personne ne va invoquer pour sa perte mais qui sait que cette chose là cette chose là pour laquelle invoque ardemment la personne est un bien pour elle en réalité qui peut le savoir il se peut effectivement que cette chose amène à accomplir des péchés, fasse baisser la foi, ou en tout cas freine euh, la montée de la foi. Pire encore, transforme la, la personne en un, en un oppresseur ou un orgueilleux. Dans ce cas, on comprend qu'il est préférable que l'exaucement soit retardé, voire refusé. Encore une fois, ça c'est la sagesse d'Allah. Il veut le bien pour sa créature et il la préserve, sa créature. Même si on ne comprend pas toujours la chose. Parfois ça nous dépasse, à dire j'étais convaincu qu'il me fallait cette chose-là pour être bien, d'accord Ou que j'obtienne ceci, ou que je sois comme ça, pour être bien. Non, en vérité, cette situation ou cette chose t'aurait causé du mal, du tort. Bien que toi tu juges le contraire, parce qu'Allah il sait ce qui est bon pour toi et toi tu ne sais pas. Non. On rapporte que l'un des pieux prédécesseurs avait pour habitude d'implorer la venue de la guerre. Une fois, il entendit une voix lui dire :« Si les hostilités éclataient, tu serais fait prisonnier. Et une fois prisonnier, tu deviendrais chrétien. » Non. Pour ça que parfois on dit aux gens qui souhaitent les rébellions, les troubles, les révolutions, etc., le chaos, ils y voient qu'un bien apparent, c'est-à-dire enlever un despote de sa place et que le peuple reprenne les choses en main, etc. Même déjà, n'est pas la sauna, mais elle Muhim. Qu'est-ce qu'ils peuvent savoir de l'avenir de leur situation. Par exemple là, justement, le cas de la guerre, il est bien pensé. Demander que la guerre éclate. Ok. Qui te dit qu'il y a un bien pour toi dans cela Même si on pourrait juger de manière hein, générale de prime abord qu'une guerre, de toute façon, c'est jamais un bien. Effectivement. Mais ce qui lui a été dit à ce Salaf, c'est réel. Si les hostilités éclatent, tu serais fait prisonnier. À la rigueur, on va dire moindre mal. Mais pire. Une fois prisonnier, tu deviendrais chrétien. Bah, il oui, se peut qu'on soit torturé. Il se peut que tu sois torturé. Hein il se peut que tu changes aussi tout simplement de voix. Donc parfois il y a des gens qui espèrent une situation, un poste, non. que ce soit une chose palpable ou une situation. Mais ils ne savent pas, ils ne savent pas ni exactement, ni même de manière lointaine, si cette chose-là serait un bien pour eux. Reprenons l'exemple voilà, de l'apostasie ou bien de la descente de foi. Tu vas avoir tel emploi, admettons. Tu vas avoir tel emploi. Mais, toi, tu juges cela forcément comme étant bien, puisqu'il y a un gros salaire à la clé, etc., etc. Tu vas te dire, c'est forcément bien. Pour moi, je le veux, je le veux, je le veux. Un peu comme un caprice d'enfant. Puis finalement, une fois que tu as cette chose-là, ta foi, elle descend. Elle descend. Par exemple, parce que tu es dans la mixité, ou même sans parler de ça, mais tu es plus dans la dounia. Avant tu faisais, rawat, tu prenais un petit peu de science, puis maintenant c'est fini. Et de plus en plus comme ça, tu t'écartes, tu pries plus à l'heure, etc. Puis un jour tu discutes avec des collègues de travail, puisqu'on sait ici on est avec les coffres. Puis tu commences à discuter, te mettre des ambiguïtés. Et demain tu te convertis comme ça au christianisme, qu'Allah nous en préserve. Ça peut arriver. Donc il se peut que toi tu demandes une chose et qu'Allah te retarde l'exaucement de cette chose ou même t'en prive, parce que c'est pas un bien pour toi. Allah tout ce qu'il fait c'est pour te préserver. Malheureusement, les créatures en doutent lorsqu'elles sont éprouvées ou bien qu'elles sont euh, euh, privées, privées d'une chose. Non. On doit toujours avoir le bon soupçon et ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah en vérité. Toujours, même quand c'est difficile, toujours se dire qu'Allah veille et qu'il y a un bien pour nous dans cette situation-là. Mais l'être humain est ignorant, injuste, ingrat et ne voit que vraiment pas loin, réellement. À part ceux qui sont plus doués de science et d'intelligence, mais c'est très rare. Hein? Donc, retenez toujours ça, mes frères et sœurs, c'est vraiment une grande faïda. Dans ce que toi tu vois de bien pour toi, il n'y a peut-être que du mal. Et vraiment, la plus grande des pertes, ce serait d'abandonner ton dîne. Non. Qu'Allah nous préserve. Et qu'Allah nous préserve, c'est pas qu'Allah nous accorde tout ce qui fait plaisir à notre nefs. Quand on dit qu'Allah te préserve, qu'Allah te protège, qu'Allah t'accorde le bien. C'est pas forcément ce que toi tu vas juger comme bien. C'est pas forcément ce qui va faire plaisir à ton œuf. c'est ce qu'il y a de mieux. Et parfois il y a des épreuves qui sont expiatrices de grands péchés. Tu préfères quoi Rencontrer Allah avec des grands péchés ou qu'elle soit expiée Donc parfois, dire à une personne finalement qu'Allah te préserve, bah c'est en vérité, euh, à la suite de ça, la survenue d'une épreuve qui la secoue la personne, mais qui fait tomber ses péchés comme les feuilles mortes tombent de l'arbre en automne. N'est-ce pas un bien pour cette personne-là Si c'est un bien. Elle eh ben, va dire, Subhanallah, on ne fait que des doigts pour moi, qu'Allah te préserve, qu'Allah te préserve, eh, je ne suis pas préservé. Si elle est préservée à ce moment-là, on ne sait pas c'est quoi le bien et on ne sait pas c'est quoi la préservation, en réalité. Vraiment, qu'Allah nous mette de la, la sagesse, du bon soupçon envers lui dans nos cœurs, et c'est finalement du, du théoride en vérité. Il ne s'agit que de théoride. Plus la personne aura un théoride fort, plus elle va avoir des comportements adéquats dans les situations justement difficiles, de privation, d'épreuves, etc. Elle va bien penser. Et quand on commence. À s'exciter comme ça, c'est le nefs qui pousse à ça, à penser du mal d'Allah, à se débattre, etc. D'une part, ça ne change rien à la situation. -à le cœur va se resserrer de plus en plus, les angoisses ne vont euh, que s'accroître. Et puis et puis surtout, mais on perd l'agrément d'Allah. Ibn hein al quand il le disait si tu euh, patientes dans, dans la difficulté, dans l'épreuve, Allah il est ravi de toi. Mais attention à ne pas te courroucer contre ton Seigneur parce que tu perdrais son, son agrément, et lui serait en colère contre toi, subhanahu wa ta'ala. Je sais bien que ce n'est pas toujours facile, mais je demande qu'Allah nous donne cette présence d'esprit, à, à tendre vers la, la sagesse, et, et réellement à toujours penser du bien d'Allah, parce qu'Allah ne fait que de nous protéger, de nous préserver. Mais je le répète, c'est important de le répéter, pas toujours comme nous on l'entend, comme on le veut, parce que s'il n'y avait avec nous, on ne se protégerait pas, on ne se préserverait pas, on ne sait pas où est le bien, on irait dans des murs, on ferait n'importe quoi. Juste parce qu'on a pensé que c'était bien. Mais en fait, c'était que du mal. Wallahi, l'être humain, il ne sait pas. Voilà. Prenons un exemple. Je fais toujours des, des métaphores avec euh, Donia. Et c'est pas du tout pour comparer le créateur à la créature. Hachalillah. Mais. Un parent, un père ou une mère, va dire parfois oui. Parfois non à son enfant. Parfois il est puni. Parfois il est comme ça. Mais en général, si ce sont de bons parents. C'est pour son bien. L'enfant il comprend pas toujours. Parfois des années plus tard il comprend. Ah oui, mon père il a fait preuve un petit peu de, de fermeté, voire de dureté sur ça. Ou il m'a privé de ci. Ou il m'a éduqué comme ça. Mais finalement je le remercie aujourd'hui parce que c'est vraiment un grand bien pour moi. Ça c'est juste hein. une créature faible, faillible, parfois injuste, qui est le père ou la mère. Mais qui essaye de voir le bien pour son enfant. Et il fait pas toujours ce que l'enfant veut. Il n'exauce pas toujours les demandes de l'enfant, répond pas toujours à ses caprices. Hein Donc l'enfant parfois va se dire sur le coup ah mes parents hein, ils, sont, ils sont durs. Parfois d'ailleurs ça fait des conflits comme ça. Et c'est pas bien. L'enfant n'a pas à se courroucer contre ses parents. Il doit avoir le bon soupçon il doit se dire bon bah, si mes parents ils pensent comme ça c'est que c'est pour mon bien. Mais ça je le répète c'est simplement les parents juste des serviteurs des créatures qui sont faibles et faillibles. Que dire du Créateur des cieux et de la terre subhanallah, qui n'a aucune faille, aucun défaut. Il est parfait. Ah, que dire Des années plus tard, parfois comme ça, on y pense. Ah, c'était difficile. C'est vrai, j'ai patienté, j'ai enduré, j'ai vécu pas mal d'épreuves, il y a ça ou ça qui m'a pas plu sur le coup, mais Alhamdulillah, il m'a préservé de ça, ou il m'a mené vers ça, ici et ça. Combien Comme je l'ai toujours rappelé, sans rentrer trop dans les détails, mais le nombre de difficultés, de peines, d'attentes que j'ai connues avant ma conversion à l'islam... Sans jouer le plus éprouvé de la terre, parce que tout est relatif, donc toute proportion gardée. Mais c'était pour moi, en tout cas à mon échelle, en rime Je ne pensais jamais m'en sortir. J'étais désespéré. Mais c'est, on pourrait dire, ce cataclysme émotionnel et ces chocs dans ma vie m'ont mené à une conversion à l'islam. Qui l'aurait dit Pas moi, en tout cas. Pas moi. Il y a encore 7 ans en arrière. Pas moi. Certainement pas moi. J'étais pas au courant de ma conversion à l'islam encore la veille. La veille, c'est-à-dire de ma conversion. mais Je pouvais pas savoir. Mais Allah il te mène comme ça. Vers ton bien. Mais toi, tu n'es pas au courant. Alors, il faut parfois se laisser porter, vraiment s'accrocher là, avoir vraiment le ferme bon soupçon, même quand c'est difficile, quand il y a des choses qu'on ne comprend pas. Hein? Comme je dis toujours, l'enfant, on lui prend la main. On lui dit, viens, traverse avec moi, va ici, va là. Encore une fois, si c'est un bon parent, bien sûr, c'est un bon père, une bonne mère. L'enfant, il n'a pas à se poser de questions, il suit, il se sent entre guillemets en sécurité et protégé. Et là, encore, c'est que son père ou que sa mère. Et eh bien c'est pareil, il faut s'accrocher à Allah et se dire, ça va aller. Je ne sais pas comment, ni quand, ni où, comment, mais ça va aller. Parce qu'Allah il veille sur moi et il préserve mes, mes intérêts. Voilà. Même si on comprend pas de suite, on n'a pas à se courroucer. On comprendra, Inch'Allah ou pas, tôt ou tard. Il se peut qu'on ne comprenne jamais. Mais souvent, Allah il nous montre les choses. Et après coup, on réalise, on dit, ah oui, donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de. De perdre l'agrément d'Allah et comme ça, même parfois prononcer des paroles de coufle ou partir dans les péchés, etc. Alors, finalement, tout gâcher. Ça, c'est vraiment de la méconnaissance en les noms et attributs d'Allah, malheureusement. De toute façon, dépression, soucis, angoisse, stress, perte de subsistance, tous les problèmes, on le sait, c'est du quoi à nos péchés et à une méconnaissance du théoride. Plus la personne va s'ancrer dans le théoride, notamment El Asmaw, à ses et se préserver par rapport au péché, plus elle va être sereine. Plus à être sereine. De toute façon, plus on est dans le tawhid, moins on est dans les péchés, et c'est une évidence. Ça, c'est une corrélation. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la plupart des gens qui qui souffrent, hein, et dans tout hein, dans leur dounia, dans leur foi, ils sont mal psychologiquement, matériellement, ils ont des manquements dans le théoride, de l'ignorance, hein. Sans dire forcément ce sont des gens du shirk. Même chez des sunnites des salafis. Tu vois, des gens, on ne va pas les exclure de la salafie, hein, sont des frères et sœurs soudis salafis, mais qui ont une faible attache ou connaissance du tawhid. Et ils ont beaucoup de problèmes. Quand on leur dit revenez à ça, ils disent la même chose, malheureusement, que les Rouan ou les Palestiniens, etc. Ah, c'est ça qui va changer la Palestine, c'est ça qui va changer la Syrie, on n'a pas besoin de ça, il nous faut autre chose, il nous faut du concret, du matériel. Maintenant, on dit non, revenez à l'étude, à la propagation du tawhid. »« Mais c'est ça qui va changer. Oui, lis le hadith, attache-toi à la sunna, récite le coran. Ah, tu crois que c'est ça qui va changer ma vie il y en a qui parlent comme ça parmi nos frères et sœurs, quand ils sont trop ébranlés, trop éprouvés. Bon, malheureusement, parfois, on frôle le couffre. C'est triste. Wallah, il c'est triste. Parce que oui, la solution, elle est dans les afkars. Est-ce que tu fais tes afkars du matin et du soir Est-ce que tu invoques Allah Il y en dire, mais c'est pas ça qui va changer. Ben, si, c'est ça qui va changer. Il y en a qui ne voient que par les causes, que par l'argent, que par le matériel. Si je fais ça, ou si je reçois ça, ou si y a ça, ça va changer ma vie. C'est faux. Et Allah, il te le montre justement en te privant de certaines choses pour te montrer que tu dois t'attacher car lui, subhanou ta'ala. il te pousse, te pousse, te pousse, comme ça t'éprouve pour que tu reviennes vers lui, que tu te repentes de tes péchés et que tu tendes vers l'étude du théoride et la mise en application aussi, surtout. C'est très important à comprendre. Il te montre les choses, Allah. Mais l'être humain, voilà, encore une fois, il est injuste, ingrat, ignorant et il pense que son bien, il va être dans ci et dans ça. Et malheureusement, bah, il néglige, il néglige, je dis, voilà, la lecture du Coran, l'étude de la science, les hafkar. Les bonnes œuvres à dire, c'est vraiment ça, c'est ce din qui va changer ma vie. Comme, voilà, euh, on dit, euh, les Syriens, les Palestiniens, il faut qu'ils reviennent au Torah. C'est ça, effectivement, qui va changer leur situation. Complètement. Allah ne change point l'état d'un peuple tant qu'il ne s'est pas changé en lui-même. Mais peu de gens sont finalement vraiment croyants. Ils doutent. Ils doutent malheureusement. Je peux vous le garantir. Je ne peux pas vous garantir grand-chose, avec certitude, parce qu'on ignore beaucoup de choses. Mais il y a une chose dont je suis sûr, il n'y a que le din qui apaise mes frères et sœurs. Il n'y a vraiment que ça. Et encore une fois, sans rentrer trop dans les détails, parce que j'évite, maintenant en tout cas, mais de ce que je peux constater de ma vie, ce n'est qu'un éloignement du dîn, plus ou moins, qui m'a causé à chaque fois des problèmes. Et il n'y a que dans le dîn qu'on trouve un apaisement. Et ce n'est aucunement de la prétention, c'est simplement vanter les mérites du dîn. C'est tout ce que je fais. Je ne suis pas du tout en train de dire je suis pieux et regardez, je suis là si je suis bien. Si je suis bien. C'est بإذن grâce à Allah et avec la cause de l'attachement du din. Quand je suis mal, c'est parce qu'il y a un problème par rapport à cela. Tout simplement. Donc une chose dont je suis sûr et je vous vraiment je vous le recommande. Voilà, penchez-vous vers din. Quand ça ne va pas, vous avez des problèmes psychologiques, physiques, matériels, ce que vous voulez. Ce que vous voulez, n'importe quel souci ou gêne, les afkar, le véhicule. Les salawats obligatoires sur -érogatoire. Les bonnes paroles. Le repentir. Le monde Le jeûne. La lecture du Coran. La science. Le bon conseil. Bref, tout ce qu'on connaît comme étant des bonnes œuvres, Ça vous rapproche d'Allah et ça vous débloque les situations. Réellement, ça vous débloque des situations. Et de ce que je peux constater, de ce que je vois comment Allah peut me maintenir dans tel et tel bienfait qu'Allah me préserve, c'est avec le peu d'attachement que je peux avoir au -del. Si j'ai plus d'attachement, c'est le cataclysme et on sombre. Tout simplement. Et ça j'en suis convaincu vraiment. Et qu'Allah ne m'enlève pas, c'est yakin par rapport à ça. Quand tu commences à douter que le din peut avoir un impact sur, euh, sur ta vie en positif, là il y a problème. Là il y a vraiment problème. Tu commences à douter, à te dire pff, comme beaucoup de gens, penser vraiment que c'est parce que je vais réciter des afkars que ça va changer ma vie. Oh que oui. Oh que oui, c'est une citadelle. et oui. Réciter les afkars du matin et du soir à s'attacher à ça, ça peut changer ta vie, Enfin, encore faut encore faut-il y croire. Il se plaignent, oui, les mauvaises nuits, les difficiles. Tu récites Ayat al-Kursi avant de dormir. Est-ce que tu récites Ayat al-Kursi? Ah, parce que tu crois que juste je vais réciter ça, ça va changer quelque chose. Oui, oui, tu n'es tu es tu point croyant, tu es mécréant. Croire, c'est croire au Raïb, à l'invisible. Croire que c'est par simplement une bonne euh, action, aussi minime soit-elle, que ça va avoir un impact dans ta vie. Et comme on l'a vu dans les cours, je te demande peut-être que ça va faire que ton doigt va être exaucé. Mais si tu tournes le doigt là Azogel, si tu tournes le doigt de Din, tu te mets dans le coufre, les péchés, etc. Qu'est-ce que tu peux attendre Qu'est-ce que tu vas attendre Et c'est ça, et c'est l'enlisement. Après, on ne, on ne voit que par les causes, que par le matériel et tout. Et là, l'être humain, il s'enlise. Après, deux cas pour lui, deux cas de figure de ce que j'ai pu encore observer autour de moi. Soit Allah il accorde la dounia à la personne et il ne l'aime pas. À ce moment-là, c'est-à-dire il va la laisser parmi les pervers, ou les, hein, les, les, voire même les kofars. Ok, il va lui donner ça par ici. Soit il va la priver, par rapport justement à ses manquements dans sa foi, il y a un livre au péché, le taurid, etc., comme j'ai expliqué. Mais Allah, il aime quand même cette personne-là, c'est une personne croyante, donc il va la priver, l'éprouver pour la purifier et, Inch'Allah, qu'elle revienne vers lui. Subhanahu wa ta'ala. C'est ce que je vois. Soit après la dunya, elle est ouverte à la personne dans un cas pareil, soit elle lui est fermée, et c'est un bien. Le, le meilleur des choses. Qu'on pourrait voir chez une personne qui justement a des manquements, etc., c'est qu'elle soit très éprouvée. Voilà. Ce sera le meilleur des, des, des biens pour, euh, pour elle. Voilà. Même si elle va dire euh, c'est terrible et tout. Euh, en fait, ça, ça ne fera que la, que la ramener vers, euh, vers, vers, vers le haq, Inch'Allah. On souhaite en tout cas voir ces, ces choses-là. Nos frères et sœurs qui souffrent. Et c'est pas un plaisir que de voir nos frères et sœurs souffrir. Mais encore une fois, il y, un, y a un remède, il y a une voie. Si on refuse de, de l'emprunter, c'est pas possible. On dit toujours, t'es mal, ah, je vais écouter de la musique. Tu crois vraiment que ça va te faire du bien Et voilà. Ah, il me faut ça, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça pour être bien. Non. Écoute le Coran. Oui, mais ça me fait rien. Écoute encore. Etc, etc, etc. On pense malheureusement trop souvent que des choses qui nous sont négatives et néfastes en vérité nous sont bénéfiques, nous font du bien et inversement. Allah qu'Allah nous guide. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous facilite euh, l'acceptation du qadar. L'acceptation du, du décret, être vraiment en pleine soumission, c'est pas juste faire les cinq prières. Voilà, c'est pas juste dire billahi Ben. C'est le vivre ça. C'est dans des voilà, dans des moments comme ça, euh, avoir la Qu'Allah nous inspire la, la, la bonne compréhension et l'acceptation pleine des, des choses. Amen. On en a vraiment besoin de, de ça. Wallahu alim. Donc, ça c'était hein, le point. Voilà, si une chose euh, peut être euh, mauvaise. Voilà pourquoi c'est refusé ou retardé. Et à ce propos, Ibn Qayyim al Allah, il a dit Ce qu'Allah décide pour son serviteur croyant est toujours une grâce, même s'il s'agit apparemment d'un refus. Oui. Ou d'une difficulté. Ce qu'il décide pour nous est un bienfait, même si on a l'impression que c'est une épreuve. De même que son épreuve est une source de salut, même si c'est un malheur dans l'apparence. Comme je vous l'ai dit. Exactement comme je vous l'ai dit. Hein C'est un bienfait, même si c'est une épreuve. Et l'épreuve est une source de salut, ne serait-ce que l'expiation des péchés. On ne s'en rend pas encore bien compte. C'est immense l'expiation des péchés. C'est immense. On a plein de fautes et ça peut nous causer bien plus de tourments et de tracas que des petits désagréments, parce que ça reste petit. Hein. Des petits problèmes dans le Dounia. Là hein. encore, tout est relatif. Hein. Il y en a, ils ont pas bu d'eau depuis trois jours. Hein. Attention, hein, parce que on se plaint, on se plaint, on se plaint, on se plaint. Effectivement, on peut se plaindre par rapport à d'autres. On compare nos situations, on a forcément dans le Dounia qui sont mieux que nous. Mais le prophète, Aïe salam, nous l'enseigne. Le hadith, il est clair regarde dans le Dounia ceux qui ont moins que toi, afin de te rassurer de t'apaiser et regarde effectivement dans Dunia ceux qui sont plus haut que toi pour prendre exemple sur les pieux. Mais dans dounia, on va forcément, hein, quoi, souvent se comparer à ceux qui ont plus. C'est une erreur. Attends, attends. Grave erreur. Tu vas être frustré, tu vas être ingrat envers ton Seigneur, tu vas regarder, ah, cette personne-là, elle a ça, elle a ça, elle a ça, et moi je suis dans ci, je suis dans ça. Mais il y a des gens qui n'ont pas bu d'eau depuis 3-4 jours. Donc tout est relatif aussi dans la difficulté, dans l'épreuve. Au-delà de te dire, voilà, well, c'est une expiation de péché et tout, et c'est un bien. Dans tous les cas, même là, Allah, il te préserve. Hein, éprouver, éprouver. Même eux, c'est leur épreuve. Il y a toujours pire, de toute façon. On va toujours se plaindre. L'être humain, il est comme ça. Voilà. Et quand on va dire à quelqu'un, regarde ceci, justement, lui, il n'a pas mangé depuis, depuis deux jours. Ah, c'est pas ma réalité, moi, voilà. Et il va forcément regarder plus haut. Oui, mais lui, il a mangé du caviar. Oui, mais lui, il a eu ça. Moi, j'ai du mal à payer mon loyer. Lui, il a, il a deux, deux, deux appartements. Et alors Et alors dans tous les cas, l'épreuve est une source de salut. Je parlais d'expiation de péché, mais d'éducation aussi et de guidance. Même si effectivement, dans l'apparence, c'est un malheur, c'est vraiment une affliction. Ça, il faut y croire. Mais hélas, dit Ibn Khaldun, rarement allah l'ignorance fait que l'on ne voit euh, la grâce, le bienfait, le salut que dans des choses dont on est à même de jouir instantanément et qui est convenable à notre nature. Voilà. Si ça fait plaisir aux nefs. Si on trouve ça comme convenable, si on en jouit directement, Alhamdulillah, c'est une grâce. Ah, c'est un bienfait. Ah, c'est du salut. Voilà comment on juge l'être humain. Il faut que ça lui plaise. Mais si ça lui déplaît, si ça pique le nef, si c'est même douloureux, non, c'est pas un bien. Et là vient le mauvais soupçon envers le Seigneur. Allah mustan. Commence à avoir des mauvaises pensées, désespérer la miséricorde d'Allah. Voire même se détourner du din. On doute. On doute, voire même on mécroit. Pour les... Pour les pires, on devrait voir l'inverse. Gardez, je répète encore une fois, mais dans ces choses-là, il faut répéter, on devrait voir que le bien, même dans les choses euh, amères. Donc, l'ignorance hein, mène à cela. Au fait de ne voir la grâce, le bienfait, le salut que dans ce qui nous plaît et pas dans le reste. Certes, si on était doté d'un savoir profond, quand il dit savoir profond, je parlais là de sagesse, de science. On se rendrait compte que le refus peut renfermer un bienfait autant que l'épreuve peut contenir une miséricorde. Ainsi, on arriverait à se réjouir de l'épreuve et de l'indigence plus que l'on se réjouit du salut et de la richesse. Imaginez. Et on en viendrait à rendre grâce à Allah dans la gêne plus qu'on le ferait dans l'aisance. Subhanallah. Qu'est-ce que vous voulez dire après ça Rahim Allah, Ibn Qa'im. Qu'est-ce que vous voulez dire après ça Il a tout dit. Ça c'est dans madarij salikin. Vraiment la dernière phrase très profonde. Si on était intelligent, si vraiment on avait une vraie connaissance un, un ilm, parce que les ilm c'est pas juste j'ai mémorisé un tiers du coran. Les ilm c'est profond, c'est dans ces choses là. C'est là qu'on voit si une personne elle a une science. Si on avait les ilm, on se rendrait compte, certes que la difficulté, le refus, hein, renferme un bienfait. Même dans l'épreuve, il y a la miséricorde. Et on se réjouirait, c'est cette dernière phrase qui m'a vraiment marqué. On se réjouirait de l'épreuve. Imaginez, dans cette difficulté et dans l'indigence, dans la pauvreté, on serait plus heureux, plus encore que l'on se réjouirait du salut, de la richesse apparente. T'imagines? La personne, elle est dans la vraiment dans la gêne profonde, elle souffre, mais elle est plus heureuse intérieurement. Pourquoi? Parce qu'elle a Tawahid dans le cœur. Plus encore que si elle était dans l'aisance de dounia et on en viendrait à rendre grâce à Allah. Donc, euh, voilà. Alhamdulillah. Subhanallah. Et le, voilà. Beaucoup de prières. On très bien. On rendrait grâce à Allah. On le remercierait. Dans la gêne. Dans la gêne. Plutôt que de lui tourner le dos. Dans la gêne. Plus qu'on ne le ferait dans l'aisance. Imaginez. Ça, c'est les pieux. Ça, c'est ceux qui ont compris. Comment nous, on se comporte Il faut qu'on se regarde dans une glace. Vraiment. Au sens propre et métaphorique, hein, et qu'on se dise, moi j'en suis où Est-ce que dans l'aisance, déjà, est-ce que je remercie Allah dans l'aisance Premièrement. Mais est-ce que je ne le remercie que dans l'aisance Est-ce que je lui rends grâce que dans l'aisance J'en suis où de ma pratique du din dans la gêne Repensons, inshallah ou ta'ala, à cette phrase d'Ibn al On en viendrait à rendre grâce à Allah dans la peine, dans la gêne, plus qu'on ne le ferait dans l'aisance. Si on avait vraiment compris, parce qu'il y a plus de bien en vérité dans ça. C'est c'est vraiment une faïda. Extraordinaire. Sixièmement, et c'est lié, hein, ce qu'Allah choisit pour l'individu est meilleur que le choix de ce dernier pour lui-même. Bon, ça revient hein, à des choses que j'ai expliquées précédemment. Voilà, Allah, ce qu'il choisit pour toi vers ce qu'il mène, c'est mieux que ce que toi tu choisis pour toi. En effet, un des merveilleux secrets que le serviteur doit avoir à l'esprit quand il invoque son Seigneur est le fait qu'Allah est le sage et le miséricordieux par excellence. Allah connaît mieux l'intérêt de ses serviteurs qu'eux-mêmes. Et nul n'est plus miséricordieux que lui à leur égard. C'est-à-dire qu'Allah, il est plus miséricordieux pour toi que tu ne le serais pour toi. Toi, tu n'es pas miséricordieux en vérité envers toi-même. Quoi que tu puisses dire. Quand on dit prends soin de toi, tu sais pas prendre soin de toi. Allah, il prend soin de toi. Toi, tu ne prends pas soin de toi. C'est pas vrai. Et ce n'est même pas une critique. C'est la réalité. On ne sait pas prendre soin de nous. Parce qu'on est ignorant. Parce qu'on est faible. Allah, il est plus miséricordieux envers nous que nous envers nous-mêmes. Que dire d'envers les autres Envers une femme, un enfant, oui. On va faire montre de Rahma parfois. Mais ça n'a rien à voir avec la miséricorde d'Allah. Hein Donc, Allah hein, choisit pour toi ce qui est le meilleur. Et lorsqu'Allah fait subir à ses serviteurs ce qu'ils détestent, les calamités, les épreuves, la pauvreté, la gêne, cela leur procure toujours plus de bien qu'ils n'en auraient eu en l'absence de cette épreuve. Et c'est là une manifestation de la sollicitude, la bonté, la grâce qu'il leur témoigne. Encore faut-il encore une fois avoir le bon soupçon envers lui, ce Mahanotar-là. Te dire que même dans cette gêne, même dans cette épreuve, hein, Allah t'envoie plus de bien que ce que toi, tu aurais pu aller chercher par tes propres moyens. Certes, s'il leur était donné de choisir pour eux-mêmes, c'est-à-dire si on avait eu le choix de, euh, de tracer notre route, on pourrait dire, les créatures en seraient incapables. C'est-à-dire d'aller chercher le bien. Parce qu'elles n'ont pas assez de connaissances, de volonté de capacité pour agir dans leur propre intérêt. Quoi qu'elles pensent. Hein. Cependant, Allah s'est chargé d'organiser leurs affaire en vertu de sa science, sa justice, sa sagesse, sa miséricorde, fût-ce contre eux leur gré. Arvim, arvim, arvim. C'est. presque bouleversant. Non. Dont l'explication des noms qui s'y rapportent. Revenir à cela, Inch'Allah ou ta'ala, hein, Al-Rahman, Al-Rab, Ou encore Al-Latif. Et vous comprendrez beaucoup de choses, Inch'Allah. Je répète, parce que c'est très important. Allah, C'est chargé d'organiser, Les affaires des créatures. Via sa science, Sa justice, sa sagesse et sa miséricorde. On a quelle science nous Quelle justice, quelle sagesse et quelle miséricorde Allah, il a tout ça de manière parfaite. Alors il gère nos affaires, Fus contre notre gré. C'est-à-dire, ça nous fait pas toujours plaisir. C'est pas toujours ce qu'on attend. Mais Allah n'en a que faire, parce qu'il veut ton bien. Je rappelle, encore une fois, c'est pas du tout pour faire un tantilin, hein, un tashbih, c'est-à-dire un anthropomorphisme ou quoi, ou une comparaison, rien à voir. Tu dis à ton enfant, tu vas faire ça, tu vas suivre tel programme, telle chose. Non, j'ai pas envie. Tu vas faire comme ça, tu vas aller là-bas. Non, ne te couche pas à telle heure, tu vas être fatigué demain, etc. L'enfant, c'est contre son gré, bien souvent. Il n'a pas envie de tout ça. Ça dépend, après, quand on nous accorde une descendance pieuse et, obé et obéissante. Mais bien souvent, l'enfant, il dit non, 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 non. Mais toi, tu sais que c'est pour son bien. Si on écoute certains enfants, ils vont manger des chips et des glaces à 10h du matin. C'est bon pour leur santé Non. C'est un petit déjeuner. Hein tu les écoutes, euh, non, ce soir, je ne mange pas, je vais me coucher, j'ai pas envie. Ben non, mange. Mange léger, mais mange. Ah, non, je me couche à 1h du matin. Non, 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 demain tu vas à l'école. Etc. Donc, c'est encore une fois juste une petite métaphore pour vous faire comprendre. Prendre soin de quelqu'un, c'est pas toujours aller dans le sens de son nefs. Eh bien, Allah, tabaraka ta'ala, ne va pas toujours dans le sens du nefs de ses créatures. Parfois, ça, ça contente. Parfois, on est contenté. D'ailleurs, on sera contenté quand on sera soumis, je le dis. C'est-à-dire, on sera contenté quand ça ira. Dans le sens de notre nefs ou pas On pourrait dire c'est contradictoire ce que tu dis, Kassim. Non. Il y a toujours un nefs. Toujours. Il y a toujours une chose qui a plus nous plaire. Je préfère le bleu que le rouge, par exemple. Voilà. Je préfère, naam, euh, le, lait, le lait froid que le lait chaud. Vous comprenez Mais à un moment donné, il y a une satisfaction. Il y aura toujours un avis. Il y aura toujours, j'aurais préféré que... Ça, c'est normal, c'est naturel, vous voyez Mais une satisfaction. Un. Hein et bien, ça, c'est quand on sera soumis. C'est-à-dire que la chose aille dans le sens de ton nefs ou dans le sens contraire, tu dis Alhamdulillah et tu es apaisé. C'est ça, théorie et c'est ça la soumission. Vous voyez Ça n'ira pas toujours hein, dans le sens de ce qu'on attend. Ce qu'Allah décrète pour nous. Mais il faudra s'en satisfaire. Être apaisé avec ça. Voilà. Y voir du bien, même quand on ne le comprend pas. El muhim toujours est-il que voilà. là il agit. Euh, par pure euh, bonté. Et, et heureusement, heureusement que ce ne sont pas les créatures qui choisissent pour eux-mêmes. On serait vraiment perdu, je vous le dis. Donc si l'individu se soumet à la volonté d'Allah, à la conviction que tout lui appartient, que c'est lui qui décide de tout, qu'Allah est plus miséricordieux envers lui qu'il ne l'est envers sa propre personne, il trouvera la paix intérieure. C'est de ça que je voulais dire. Ça va pas dans le sens de ton nefs forcément, mais as la paix intérieure. C'est ça la satisfaction de la soumission. T'es bien. Tu dis oh bah Voilà. Moi je voilà, je je n'aurais pas fait ce choix-là mais Allah il l'a décrété, il l'a vu comme ça donc forcément c'est bien, j'en suis satisfait. Il trouvera donc la paix intérieure quelle que soit l'issue de son invocation. Et quiconque s'en remet à Allah et se satisfait du choix qu'Allah fait pour lui se verra gratifié par le Seigneur de la force, de la détermination et de la patience nécessaires pour surmonter les difficultés inhérentes à ce choix. Évidemment, comme je vous le disais, il y a des difficultés inhérentes à ce choix. Pourquoi? Parce que c'est bon quand c'est bon gré ça va, mais quand c'est mal gré c'est difficile. Le nef s'il est pas satisfait, mais la foi prend le dessus. Donc Allah t'accorde force, détermination, patience pour surmonter tout ça. En outre, Allah azawajel le mettra à l'abri des défauts inhérents au choix humain et le fera aboutir à un résultat qu'il n'aurait pas pu atteindre par ses seules initiatives. Cette attitude soulage le croyant des peines qui accompagnent les prises de décision et le libère des calculs minutieux et des estimations qui le font passer d'une difficulté à une autre. Ah moi je devrais faire comme ça. Ah, il faut que je fasse comme ça. T'essaye de te gérer en fait, t'essaye de gérer tes affaires. Remets-toi en à Allah pleinement. Allah gère tes affaires. Parce que ça cause beaucoup de soucis, ça. Malgré cela, il ne peut, c'est-à-dire le, le serviteur échapper au destin voulu par Allah, même s'il fait ses plans et ses calculs. Donc, s'il se montre satisfait du choix d'Allah, eh bien il subit le qadar et reçoit en même temps les récompenses et les grâces d'Allah pour avoir été soumis. Sinon, il subit quand même le destin. Il subira tout de même le destin malgré lui, même s'il se rebelle. Le qadar, c'est le qadar, mais en même temps, il sera blâmé et privé des grâces du Seigneur, la grande perte. Toi, il disait Ibn Taymiyya. L'épreuve, c'est un bien, mais pas toujours. C'est contradictoire, encore une fois, on va me dire. Tu viens de dire que l'épreuve est toujours un bien. là L'épreuve est un bien si tu te soumets. Il nous alayhi, il disait comme ça. Elle est un bien si on se soumet. Encore une fois, comme on le dit ici, voilà. La personne, elle endure et elle, elle gagne les récompenses et les grâces d'Allah. Mais si la personne se courrouse. L'épreuve est elle elle un mal parce que immédiatement bah, ça l'a gênée dans son nefs. elle était privée mais en plus elle s'est courroucée donc elle a encouru la colère d'Allah, elle est privée des grâces du Seigneur. Alors là c'est vraiment la perte. Aussi lorsque l'homme s'en remet sincèrement à Allah et fait montre de satisfaction, Allah l'entoure dans ce qu'il lui prédestine de bienveillance et de grâce en sorte qu'il évolue entre la bienveillance et les grâces divines. Cette bienveillance le met à l'abri de ce qu'il craint et cette grâce lui rend facile ce qui lui a été prédestiné. Même si c'est parfois délicat à encaisser. Voilà ce qui était dit sur ce sujet. On terminera avec une citation de Soufiane al-Fawri, il a dit Le refus d'Allah est en fait une donation, vu qu'il ne refuse point par avarice ou par manque. Qu'il donne, en vrai. Bien au contraire, c'est au vu de l'intérêt du serviteur qu'Allah refuse, en connaissance de cause, de lui accorder sa demande. Subhanallah. Tout ce qui a été cité ici, c'est dans Madarij al-Salikin. encore une fois, d'Ibn non et On va s'arrêter ici pour ce cours. J'espère qu'il vous aura été bénéfique. Il y a vraiment beaucoup de fawaïd dans tout ce qui a été cité. C'est à méditer, à écouter, à réécouter, à propager. C'est très important. Voilà. Qu'Allah nous éduque, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous, nous protège et veille sur nous, mes frères et sœurs. ونعقد على 7 ان شاء الله تعالى سي سيلا والله سبحانه وتعالى اعلم واحكام سبحانك ركهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته